everyone. Bonne soirée. J'aimerais avoir une petite idée combien que tu es francophone dans la salle et d'anglophone. La conférence va être bilingue et donc c'est sûr que il va pas tout répéter dans les deux langues, mais faire un petit peu moitié-moitié comme ça. Mon nom est Fanny Godette, je suis co-directrice musicale avec Melinda Hens. On a travaillé très fort toute la session pour préparer la messe en si mineur. When we got the idea, it's a very funny story, but I heard there's some media that might have articles for us coming up, so I'll let them the scoop for the story of how we decided to do this piece. But the first thing that came to mind is like, oh, we need to find a great conductor. And the first name that came to mind was Julien Proulx, because I have a lot of friends who play in orchestras in the area. J'ai plein d'amis qui jouent dans les orchestres et j'ai toujours entendu que des bons commentaires de Julien. Puis c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec les chorales, qui est chanteur lui-même et violoncelliste et chef d'orchestre. Et donc, quand il a accepté notre proposition, I was like, okay, well, I guess we have to do it, you know? So we are completely delighted to work with Julien, and we're really excited to show you a little bit of the insights of what it is like to work with such a great conductor, and what's the work that we have ahead of us for the next 3 weeks, because the performances are coming up very, very soon. I'm sure that after you see this, rehearsal and conference, you'll want to buy tickets, and so we'll have tickets available for sale in the lobby. We have a little coffee break. So the first part is about 45 minutes, I'll let Julie explain what he's going to cover in his conference. And after that, there's an open rehearsal. We do have a lot of work to do, so it's going to be very serious and intense. You are free to stay as long as you want, and don't feel bad if you want to leave in the middle. The second part of it, just like stay if you enjoy it. So, vous pouvez rester comme vous voulez dans la deuxième partie, puis partir parce qu'on va travailler assez fort et assez longtemps. So, j'imagine que vous ne voudrez pas nécessairement rester jusqu'à 10 heures ce soir, mais nous, on est là pour the long run. Okay, so je vous présente Julien Proulx. Bonne soirée à tous. Good evening, everyone. So the Mass in B minor, it's a huge work. It's almost 2 hours of music. For a Baroque Mass, it's really not usual to be that long first, and not usual for a Lutheran composer to compose a mass in Latin all the time. We'll explain a little bit why, and we'll explain the genesis of the work and how it is constructed. The Mass in B minor is in fact a collage, so it's a lot of small pieces that Bach grabs from other works, adapted to create this monstrous piece. I'm sorry, I don't have an extension for my computer, so I have it. Okay. It's probably the last work that Bach worked on. And when we see the manuscript, is in four parts. The first part of the manuscript was written in 1733. It's the Missa, it's a Kyrie and a Gloria, and it was composed for someone. So Bach gave it to Le Grand Prince Électeur de Saxe. It's a new one. Son Altesse, the real name. Son Altesse Royale et Son Altesse Sérénissime, le Prince Électeur de Saxe, Frédéric Auguste II. He was just named, and he was also King of Poland, under the name of August the Third. This maybe explains this weird place of the Mass in B minor, which is a long work in Latin. Some people thought it was a Catholic Mass, but in fact it's something in between. Probably because this guy, Frédéric Auguste, was Lutheran and
Catholic, because he had to be a Catholic to be the king of Poland. So there was two chapels, one from the Protestant faith and the other one for Catholicism. Donc il y a vraiment les deux chapelles. Ça explique probablement cet usage d'une grande messe en latin, mais on n'a aucune preuve que la messe a été chantée du vivant de Bach, ni la première partie qui a été donnée comme cadeau à ce prince électeur, ni les autres parties qui vont suivre. La deuxième partie qu'on retrouve, c'est qu'est-ce qu'on appelle, nous, le credo, symbolum niceum. C'est en fait le symbole d'Nicée. Dans la religion catholique, c'est le credo. C'est vraiment dans le concile de Nicée où la foi catholique, la foi chrétienne a été établie. Donc, je crois en Dieu, etc., etc. He composed it. He died in 1750, so the two last year. He composed everything. He took from a lot of places, we'll see after, but he worked on at the end of his life. The third part is the Sanctus. It's only Sanctus Pius Uncini. It was taken from a Sanctus he composed in 1724. And he just adapted a little bit because it was for three sopranos. And now there's a work for two sopranos and an alto. So he decided to... he decided to change it just a little bit and add two voices of altos to match everything. And then the fourth part is the end, which he worked on at the same time as the Symbolum Nicium. So those four parts came together as the Mass in B minor, okay? The Great Mass in B minor, which is not the name that Bach gave it. It was just a Mass. And in fact, it's more in D major, but we'll see it now. To understand a little bit more the music of Bach, we have to understand the symbolism in Bach music. Okay? Le symbolisme chez Bach, tous les compositeurs de musique baroque avaient un langage commun. Now it's complicated to understand this because there's a lot of kind of music, jazz music, there's everything. At that time, there was in a city almost one big style of music, with some composers that were old style and there was a little bit of new style, but still. And there was a way to think music that it was more like language than just sound. And in this language, especially in the religious music, there is a lot of symbolism, different kind, numbers, music tonalities, there's different motifs and everything, okay? Let's just start with the numbers. Les chiffres en musique ont tous des significations pour Bach. La première, c'est évident, c'est le chiffre 3, c'est la Sainte Trinité. This is natural. 4, it's the earth, la terre, le monde dans lequel nous vivons. Si on multiplie 3 par 4, on atteint donc 12. The 12 tribes of Israel, les 12 apôtres. Évidemment, c'est pas propre à la musique baroque, c'est une symbolique qu'on a depuis longtemps dans la religion, mais Bach et ses contemporains mettent cette symbolique-là dans l'œuvre, dans la musique. On va le voir tout à l'heure, à l'intérieur de plein de musique. Le chiffre 12 est important. Et évidemment, il y a le chiffre 3 dont je n'ai pas parlé assez, puisqu'il y a 3 fois 3 qui est 9, qui est très important. Et on va le voir tout à l'heure, 3 fois 3 fois 3, 27, qui est la Trinité au cube. There's nothing more holy than... à la trois. So this is the whole thing. And how many movements that Bach wrote in the music? 27. In the big mass in B minor. If we do the Hosanna twice, it's 28, but the written parts,
27 movements, which is God by God by God. There's also symbolism in tonality. We'll see more after, but I said it's in B minor, but more in D major. Why? Because when work has to represent the king or the king of heaven, it's usually in D major. This is the tonality. There's Magnificat, it's in D major. It's really often D major. Also E flat major, because three flats, but usually D major. We'll see after. B minor is, there's a symbol like in this also. And les motifs. Tous les motifs chez Bach ont une sonorité, ont une symbolique. Et c'est quelque chose que les gens utilisaient, c'est un langage. J'expliquais tantôt que la musique, pour eux, c'est un langage. Donc, si on parle de langage, on ne parle pas juste de notes, on parle de mots, on parle de phrases, on parle de concepts. Donc, vous avez, par exemple, un motif qui est relié à la joie et à la au roi, qui est toujours « yam, papapam, 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 papapam », croche de double, ou son équivalent noir, deux croches en 2-2. Pom, papapam, 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 papapam. Each time you have this in the mass, it's because it's a joy, especially joy to thank God. Toujours. When there's a lot of chromatism, spécialement la montée chromatique, on le sait, it's hard, it's difficult. Okay, it's how man should work for the redemption. C'est la rédemption des péchés par la foi. All the time. La chute de septième diminuée ou la chute de quinte diminuée, c'est la chute d'Adam, le péché originel. So usually there's le chute d'Adam, and then we have to go up with chromatism to get to heaven. All the time. Les motifs tirant, tirant, pim, c'est évidemment la douleur. It's logical. There's also in all the runs, all the notes that goes fast, dans toutes les vocalises, ça fait souvent ta-ra, 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 ba-ba-bam. Ici, on regarde, ça fait un motif de croix. Okay, c'est all the time pour la rédemption des péchés. On peut aller même plus loin. Parfois, il y a une des pièces à la fin, vous allez voir que je vais vous l'expliquer, qui est dédiée vraiment au roi. Et le motif du corps fait ta-ya-ra-ram, pim. Si vous faites le dessin, ça donne une couronne. Ta-ya-ra-ram, pim. Et c'est vraiment donné au prince électeur de Saxe. On va voir pourquoi il y a des messages cachés. Évidemment, c'est facile aujourd'hui de trouver, on peut trouver plein d'explications. Est-ce que Bach a voulu tout ça? Probablement pas tout, mais en grande partie, oui. Parce que c'est un langage que les gens comprenaient. Et ça fait partie de la logique de cette musique-là, d'avoir cette symbolique. Regardons un peu dans l'œuvre ce que ça donne, mais avant, il faut parler d'un autre point qui s'appelle la parodie. Je l'ai écrit en anglais là. Je cite Wikipédia, désolé. La parodie. Aujourd'hui, quand on parle de parodie, on parle d'humour. Okay? Ça n'a rien à voir. La parodie, c'est prendre un style et l'imiter. On peut imiter de la musique. On peut imiter son propre style. Et vous allez voir que c'est très, très utilisé à l'époque. There was no copyright at that time. Okay? If we want to take a music and we find it very impressive, very fun. If we want to make this music known, usually we take the music, we rewrite the music, and we perform it. This is just natural. You probably know that a lot of violin concertos by Vivaldi were taken by Bach, and Bach rewrote everything for harpsichord and presented. It was natural. It was an honor to
get another composer to take our music. Second point is that it was really not usual to perform music of other time. On performait jamais de la musique qui n'était pas de notre temps. Il n'y avait aucune logique à ça. On performait de la musique de notre temps. C'est seulement au 19e siècle où on a eu l'idée, saugrenue, de commencer à jouer de la musique du passé, des concerts historiques. On est en milieu dans les années 1830 seulement. Okay? So, it was just logical. Quand Bach est arrivé à l'église Saint-Thomas, si mon souvenir est bon, celui qui était avant lui s'appelait Cunard. Et avait, et évidemment, dans les archives là-bas, il a trouvé une pièce magnifique qui est pour cinq voix et qui sonne comme ceci. Continue, des hautbois, un autre accompagnement, changer le texte, Tristissimus anima mea pour un texte en latin, dir gerechte kommt um. And what is fantastic about Bach, he takes a chef d'œuvre and he makes it even better. This is the introduction, but the music of the voices will be the same. Chose avec des œuvres populaires, on les réarrange complètement, changeant complètement, et pourtant l'œuvre reste pareille. C'est une façon de rendre honneur à la musique de Cunard en la rendant accessible au public de l'époque. Évidemment, Bach composait beaucoup de musique, il y avait beaucoup trop d'enfants. Il y a eu plus d'une vingtaine d'enfants, il enseignait le latin, il composait une cantate par semaine. Il a composé beaucoup de musique. Et c'était pas vu comme être paresseux que de reprendre la musique. S'il trouvait qu'il avait composé une musique valable, il voulait la réutiliser. Quand il a fait la messe en si mineur, il a voulu montrer un peu, probablement, l'éventail de son œuvre. On retrouve à l'intérieur de la messe en si mineur du style antique avec beaucoup, beaucoup de fugues, avec des contrepoints. On retrouve de la musique a cappella, juste accompagnée simplement par la basse continue. On retrouve de la musique plus récente, plus de son époque, de la fin du baroque. Par exemple, le solo de soprano 2 dans le Gloria, où on retrouve vraiment une musique beaucoup plus neuve. Il y a toutes sortes de musiques. Il a voulu montrer un peu l'étendue, et chaque style est relié. Quand il arrive le moment de faire la messe en si mineur, les choristes, vous allez pouvoir prendre le gratias doucement. Il reprend, il décide de revisiter les musiques
qui a aimé, quelques années plus tôt, il a composé une pièce qui est une cantate. Et le deuxième mouvement, c'est « Wir danken dir, Gott ». Nous te remercions, Dieu, d'écouter cette musique. And Dona Nobis Pacha. Just be careful, we're in 440, huh? The pitch will change. Un beau rimage. So we'll just read the old Gratias just for fun. Okay, 3, 4, and 1. Pick up in four.
if we look at the big structure of the Mass, like I said, there's 27 movements, which is 3 by 3 by 3. The beginning is a Kyrie. Usually the Kyrie is always, there's 3 Kyrie. Kyrie, Christe, Kyrie. It's always men that ask God. On demande la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. The first one is addressed to God. Second one to the Christ. And the last one to the Holy Spirit. Mm-hmm. Holy Spirit. Le premier est en si mineur. That's why it's a Mass in B minor. Because the first movement is in B minor. But the last one is in D major. B minor. It's really an important tonality here. It's always the redemption of the sin. If Jesus came to earth for the redemption of the sins, it's always in B minor. So the first one is in B minor because we ask God come on earth. Second one is addressed to Christ. Dans la liturgie, Jésus est à la fois homme et Dieu. So when we talk about this reality of being both God and man, it's always a duet. Christ is a duet, and in the Gloria, when you speak about it, it's a duet. And in the Credo, when you speak about it, it's a duet. There's only three duets, and it's always when we talk about the duality of Christ, to be God and man together at the same time. Okay? Donc, cette dualité-là de l'homme qui est à la fois homme et Dieu est toujours avec un duo. Dans la petite forme du Kyrie, le premier étant si mineur, et on fait l'arpège de si mineur. Donc évidemment, le premier est en si. Le Christ est en ré majeur. Et le dernier qui est adressé à l'Esprit Saint est en fa dièse mineur. Il va finir en fa dièse majeur. This is a dominant tonic chord, weird relation, but F sharp major go to D major. Donc on a la progression Si, Ré, Fa, avec trois styles différents. Le premier qui est un style plus concertant avec le chœur et l'orchestre. Le deuxième qui est vraiment un chœur accompagné, mais tout le monde double tout le monde. Le duo, qui est un duo solo avec l'orchestre. Et le dernier qui est vraiment juste le cœur accompagné. Donc on a la structure déjà, les trois, la trinité, les trois tonalités. Maintenant on rentre dans le cœur du sujet, je vais sauter au credo. Regardez la construction formelle. There's a lot of way to cut the words, to make movements. He decide this particular way to do it, which is in 9 parts, 3 by 3. There's 3 groups of 3. Le premier, Ré majeur, parce que c'est comme une tonalité bizarre, là, le premier credo qui est Ré, La, Modal. That's why there's the parenthèse. Okay? La chose la plus importante à comprendre, c'est qu'au centre, this. 4 movements, then the crucifixion, there are 4 movements. And in the fate, especially for the Lutheran, the most important part, it's this. The 3 parts, Jesus came to earth. Why he came to earth? Pour la rédemption des péchés. So it's in B minor.
crucifixion, when there's pain, it's always in mi minor. A lot of time. Okay? I think Chris Lacken told us about it. There's a lot of tonality. When you'll see there's only one mi minor, two. No. And then the resurrection. And even in the resurrection part, there's a small part that he... Et nous attendons la résurrection. Et quand tout d'un coup, Dieu, Jésus, va revenir sur terre pour le jugement dernier, this part, it's in B minor. Always, when God comes to her, it's in B minor. And at the end, you see, it's the D major triad, La major, Fa dièse minor, Ré major. Okay? All the time, when we speak about Jesus to be God and man, et in unum dominum, Jesum Christum, it's a duo, and it's always in G major. You have the D major, which is God, which is the King. If we go fifth higher, A major, which is better, we go up to heaven, and we go back to D major. If we go down a fifth, it's on earth, it's Jesus, then we go back. Okay. Donc on a vraiment vers la dominante, qui est toujours une augmentation de la tension. Et quand on veut contrebalancer, on va toujours en musique à la sous-dominante. On revient à la fin, la cadence plagale. Et à ce moment-là, c'est pour montrer l'aspect de Jésus, qui est à la fois Dieu. Donc, on a la Trinité aussi qui est là, qui va y revenir tout à l'heure. Et regardez, « Et in spiritum sanctum », l'Esprit Saint qui est en la majeure, qui est en haut. Le Dieu... qui est dans toutes les tonalités. C'est peut-être volontaire, la première qui est comme pas claire en Ré ou La. Le Père Tout-Puissant est en Ré majeur, le Fils est en Sol majeur et l'Esprit Saint est en La majeur. On a déjà sa symbolique de tonalité qui arrive tout le temps à cet endroit-là. Et en plus de la symétrie par trois, vous voyez l'autre symétrie. Vous avez deux cœurs en haut qui sont en Ré majeur, qui sont importants. Vous avez les deux cœurs pour finir. Vous avez... le duo et le solo. Et dans le milieu, vous avez les trois qui représentent le centre de la théologie luthérienne. Et en plus, regardez, c'est les seules mesures à trois temps. C'est les seules trois temps, c'est vraiment là. Donc, tout est dans tout, disait... il paraît que c'est pas lui, le compositeur d'Abitibi, mais... Non, l'autre. L'Abitibi. Raoul Duguay, je n'avais pas entendu. Raoul Duguay, tout est dans tout, tout est dans tout, vraiment. Okay? The structure is amazing. And what is fantastic is that we don't hear it, but it's there. Okay? If you have a chance to do the analysis of the Variation Goldberg, when we listen to it, it's just marvelous, simple music. But in fact, it's so complicated. It's 10 sets of 3 variations. Each time we get canon, canon à la seconde, canon à l'unisson, canon à la seconde, canon à la tierce, canon à la quarte, canon à la quinte, canon à la sixte, canon à la septième, canon à l'octave, canon à la neuvième, parce qu'on a un code libé. À chaque fois, c'est hyper organisé, mais quand on l'écoute, ça a juste l'air naturel et normal. This is the genius of Bach. If we go to the Gloria now. On ne chantera pas beaucoup encore, on va chanter tantôt. Je ne vous avais pas préparé. Oui, on va revenir tantôt, je vais revenir pour la symbolique, je vais juste finir avec. If we go to the structure of the Gloria, it's a bit different, but still, at the center of it, Domine Deus Rex Celestis, Filii Unigenite. We talk about Jesus. And there's also a duo, and what is fun is that
the two singers don't sing the same music, the same text. Someone sing the beginning, Domine Deus Rex Celestis, and the which is God, and the other one it's Jesu Christi, what is the exact word? Oh. Domine Fili Unigenite Jesu Christi Altissimo, because it's the both. It's both. Jesus is God and man. Okay. And there is a part in the text when we talk about Jésus, Agneau de Dieu. So he came here for the redemption of mankind. He will suffer. He's the Lamb of God. The part is in E minor. And it leads to Quitolis. He came why? He will suffer why? Pour la rédemption des péchés en si mineur. Est assis à la droite de Dieu le Père en si mineur, d'où viendra juger les vivants et les morts. And then there's the quoniam to solus sanctus. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. And in the Gloria, remember it's the first part of the Mass, it was given to the royalissime Frédéric. So, Bach do something. When the part say quoniam, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, he addressed the music to his boss, before God, because he wants something. Just don't give music to be... Bach was really known, really respected, but still, there was people that liked to take his place and everything. So he asked to get something, a letter from this king to make him more important. So he asked. And why we know that, but we think it's really him, because he used for the only movement a corno da caccia, un corps de chasse. Le corps de chasse est toujours associé à un roi. C'est les rois qui chassent. Et tout d'un coup, il met le corps de chasse, il met les bassons, il met tout, et il utilise le yam, papapam, papapam. Il fait ta ya ra ra ya avec la couronne. Il dit, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Please, please, write me something. Listen to it. The colors are really weird. So why use the corno da caccia? It's to make sure that you understand. It's for him. Structure and everything, and after there's the Sanctus and everything. Blah, blah, blah. It's too long to do everything, but we'll manage to do something else. Is there a question about it? No? Yeah? Est-ce qu'il y a des questions sur la structure? Est-ce que des gens comprennent pas du tout ou se disent, mon Dieu, c'est trop compliqué? It is. It is too complicated. First time you read this music, you say, oh my God, what it is. And there's too many notes, but if you want to make sense of it, it's true. But then we realize that it's really well organized, and I always say to people, why you have to sing this at this point with those words? Pourquoi on chante quelque chose? Il y a toujours un sens. En particulier dans cette musique-là, il n'y a pas un compositeur qui a voulu dire, oh, je vais faire une belle ligne. Une belle ligne, ça veut dire quoi? C'est du divertissement, c'est d'autres choses. Surtout pas quand on parle de Dieu. À chaque fois, il y a un sens. On va prendre le milieu, et incarnatus es. Les choristes, on va chanter un peu. Let's sing, et incarnatus es. Je pense que Francine est arrivée, c'est ça? Oui. Francine, c'est une pianiste pour l'édition. Je
mètre de décalage. Oh my God. Il y a un globe à droite. On va poser des questions. Ah. Éclairage. Good. So, je parlais tout à l'heure de symbolisme, même dans la musique. Oui. Mais c'est top. Mais je peux mettre un full, je pense. 12. Donc, on est dans le et incarnatus size. Usually, when people do this music, it's always a little baby. Gentle. Il s'est incarné, il s'est fait homme de la Vierge Marie. Et il s'est fait homme. Et c'est exactement ça que le cœur chante. On va faire quelque chose. Est-ce que on peut jouer juste le cœur, puis je veux juste la basse continue. Je veux pas le... Ouais. Let's start just at the beginning of the choir. Alto sing. Okay, which is the choir?
you hear all the music also, it's Et incarna. When it came down to earth. And then Ex Maria Virgine. Like I said, it's La longue marche de la rédemption des péchés. We have both. Everything is in the music. Then, there's the crucifixion. Crucifixus. Les blanches sont courtes. En haut. Chom, chom. Crucifixus. Fais-tu les blanches? C'est juste après. So, you'll hear the flute will play. There's different kind of version for this, but all the time, it's a chaconne. Chaconne. It's a. You'll see at the bass. It's always the same music. Always the same music. Four bars, repeated 13 times. The real end is after the 12, which is God and her. And the last one, 13. It's always uncertainty. We don't know what will happen after death. And you listen to the change of color there at the 13 times. And you'll hear the flute will always put wah, wah. It's the nails. Chook, chook all the time. But it's gentle in the way of Bach, because there's it's for mankind. It's not just crucifixion ordinaire, okay? Mais non, mais c'est ça, c'est comme le bouc émissaire ultime, là. Je veux dire, lui, il est venu pour ça, il s'est sacrifié, puis tous les péchés du monde, et maintenant, on a accès à la vie éternelle. OK? For them, it was clear. OK? Bon, good. Third time.
this. Finish in G major. It's fantastic, huh? And then after, it's the resurrection. We won't do it now, we'll work on after. Because there's too much music to read. And I'll talk a little bit about the Sanctus. We'll do the beginning of the Sanctus, it will be fun, I think. Donc, le Sanctus, it's always three, all the time. The text is Saint, 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 le Seigneur de l'Univers. Saint, 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 le Seigneur. Bach decided there to put three oboes. There's always three trumpets in this music. And then there's six voices. Three top voices and three voices low. Because altos were often men and was little boys. Each time they do runs, it's in triplets. Donc c'est des triolets, il y a du trois partout, bref. Trois, 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 trois. D'ailleurs, j'ai oublié, petite mention pour tout le monde. Quand on revient au Gloria, j'ai oublié ça au début. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, it's in 3-8. Et paix sur la terre, in 4-4, aux hommes de bonne volonté. It's the two movements goes together, and it's 3, gloire à Dieu au plus haut des cieux, and peace on earth to goodwill men, men of goodwill. Okay. Et on sent la différence quand on le chante, on arrive vraiment. Donc cette dualité 3-4, dans Sanctus, on est évidemment directement à la fin avec le 3-3. Et à chaque fois, vous allez entendre Sanctus. First time. Sanctus. Second time. Sanctus, third time. Then, Sanctus Dominus Deus Sabbath, etc., etc. All the time, there's always trois petits coups sur la plafond de ta chambre. Sorry. Un beau ré majeur. Sanctus. Sanctus, 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 Sanctus,
première partie, pour l'explication, il va y avoir une petite pause. Oui. Les choristes en prêt vont venir sur scène et on va continuer la répétition publique. Ben, je vais l'expliquer. So, it will be the rehearsal of the choir after. You can stay and listen. Just don't talk, please, because we have to work. But if you want to know what is a rehearsal, how it goes, how a conductor yells to is me ask for impossible things, you can stay. Donc, merci beaucoup d'être venu. Si vous voulez assister à la répétition, bravo, choriste, merci.